médecin secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Bonsoir à tous, ici Michael Temporao. Bienvenue à tous pour le retour de Fede Story. Ça fait un an que vous l'attendez et votre patience sera récompensée. Les secrets poignants, les secrets amusants, les secrets surprenants pour une maison fascinante. Lançons sans plus attendre les hostilités avec le premier candidat. Provenant des contrées germanophones, il fera sans aucun doute fureur dans la maison et brillera par son silence et sa discrétion. Profitez bien de ce moment, car vous ne le verrez pas souvent. Accueillons tout de suite Sid. Bonjour, moi c'est Sid, je suis en première master en sciences économie et je suis un roi de la guindaille depuis que je suis président fédé. Sid, kommst du mit? Was ist heute für eine Soirée? Ist heute nicht... Mon but dans la maison de la Fédé, c'est de virer tous ceux qui me plaisent pas. Je vais être un vrai tyran. Samy. Mon secret, c'est que j'ai saboté la namuroise pour offrir un code à ma régionale. Bonjour, c'est ici le code de la Namuroise? Oui, oui, en effet, c'est bien là. Je vous ai fait virer par les services logements. Vous ne pouvez plus rester dans le code. Vous devez sortir maintenant. Maintenant? Maintenant, oui. Et pourquoi faire? Et on va aller dormir où? Je ne sais pas, vous vous arrangez, mais en tout cas, vous n'êtes plus désirable aux yeux des services logements. Donc vous devez sortir. Kommst du mit? Ja. Es wird ein cooler Abend. La Belgique est connue pour son port d'Anvers. Nous vous présentons maintenant le port de Binche. Accueillons sans plus attendre Sanglier. Salut, moi c'est Sanglier. Je fais des études ici à Louvain, mais j'estime avoir réussi ma vie depuis que je suis trésorier à la Fédé. Je me fais plein de thunes sur le dos des petites régionales, et ça m'a permis d'investir dans un grand groupe, mais mon secret vous en dira plus. Mon précieux, ils ne te voleront plus comme au carnaval, mon précieux. Tu resteras toujours près de moi, mon précieux. Pour toujours. Contrairement à ce que tout le monde pense, je n'ai pas les cheveux gras naturellement. Pour entretenir ma chevelure soyeuse qui fait ma renommée, je dois mettre 1 litre d'huile tous les matins. Mon secret, c'est d'être le plus grand actionnaire des Sheldon Shooters. Trop d'étrangers? Trop de chômeurs? Trop d'insécurité? Trop de cholestérol? Accueillons sans plus attendre le candidat suivant, qui a la solution, Samy. Salut, moi c'est Samy, je suis à Louvain depuis... Je compte même plus les années, j'ai un peu tout fait comme études. Moi, ma passion, c'est la politique. Je suis au MR à Châtelet. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace au PS. Dans la vie, je suis quelqu'un de très pacifiste, posé et calme. Putain ! Moi, je pratique du sport, je suis un grand sportif. Je me masturbe au moins 3 fois par jour. Je passe mon temps à arpenter le cocardi dans le but de trouver une petite minette à dépuceler. On dit toujours que je suis un grand chasseur, mais bon, moi, les petites biches, c'est pas trop mon truc.
Par contre, il paraît que je suis un bon pêcheur. Ma deuxième passion, c'est la bouffe. Du gras. Alors mon secret, c'est que je suis un ancien candidat de la maison de la Fédé, mais ils m'ont viré l'année passée. Putain ! Mais en tout cas, je vais tout faire pour la réintégrer. Avec un QI inversement proportionnel au nombre de ses conquêtes, accueillons sans plus attendre le Casanova des bas quartiers, j'ai nommé Ferry. Alors bonjour, moi c'est Ferry, je suis de la luxe, j'approche la trentaine. Durant mon temps libre, quand j'ai pas mes séances de bingo toute la journée, ben, je vais à la luxe me toller avec mes potes et j'essaye de gérer un peu mes études, mais bon c'est délicat parce que à chaque fois que je sors, je dors pas chez moi, je ramène des petites putes comme ça. Et je les nique quoi, je pense que j'ai niqué les trois quarts de la guinde ayouvaniste. Y a pas une salope qui me résiste quoi. Mais ça, c'était avant. Mon secret, c'est que je suis l'homme aux 150 conquêtes de Louvain. Je suis passé sur tout le monde. Passons maintenant à un peu de douceur dans ce monde de brut. Elle a le visage d'un ange et l'incarnation du glamour. Accueillons tout de suite Ornella. Ornée, enchantée. Alors j'ai 23 ans, tu vois, je suis en master droit, tu vois, et là, comme tu vois, j'écris un petit commentaire sur une photo de mes copines à un banquet. Les amis sont des anges qui nous aident à voler quand nos ailes ne se rappellent plus comment s'envoler. Oh, j'ai une autre perle aussi. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Résistez, et votre âme se rend malade à force de languir de ce qu'elle s'interdit. Oh tiens, je viens de me faire inviter au banquet d'Amuroise. Oh, ça me rappelle un souvenir, ça, tu vois. L'année passée, j'étais tombée sur un mec et je m'étais fait dé... Ah, on me dit dans l'oreillette, oui, un petit souci technique nous oblige à passer une petite page de réclame. Histoire manque de peps, envoyez Mito au 3605. Midi Medium prendra un malin plaisir à les exagérer. Appelez une de nos voyantes dès maintenant. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de Fédestory. Son éloquence n'a d'égal que son physique. Voici le tombeur de la maison. Accueillons sans plus attendre Trifon. Yo, c'est Trifon, 22 ans, je suis en 4ème EP, et j'ai une passion, juste une. Et mec, regarde. J'ai juste fait le camarade, complètement pété. Tu sais, moi avant, j'allais acheter des vaginettes au sex shop. Bon, c'est chouette, hein, mais... au final, ça coûte cher, et tu vois, j'ai cliqué une fois dedans et puis tu l'as jeté à la poubelle, donc... moi, je me suis dit, pourquoi pas en faire des maisons. Donc, de quoi tu as besoin pour faire une vaginette de maison? Tu as besoin d'un verre. Ici, on a deux. Ça sera en fonction du calibre de ta queue. Allez, je vais être généreux, je prends celui-là. Ensuite, tu as besoin de deux éponges, comme celle-ci. Et d'un gant latex. Alors, le gant latex, très important. Il doit rester étanche et doit pouvoir être étirable. Tu comprends pourquoi, hein, tu sais bien que les coups d'anche, ça ne pardonne pas. Et je te parle pas en tant que padawan de la vaginette artisanale. Chez moi, c'est du sérieux. Donc,
Venons-en aux éponges. Il y a deux faces. Si tu choisis le côté rugueux, je pense que tu peux dire adieu à l'intégrité de ta queue. Il y a le côté en mousse ici. Celui-là est bien plus délicat. Tu dois prendre celui-là. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on va monter la bête? Tu fais un sandwich avec le gant latex. Tu fais comme ça. Tu fais dépasser la fente. Ensuite, tu fous le tout dans le verre. Comme ça, c'est un peu délicat. Voilà, ensuite, tu retournes le caoutchouc. Cela. Ensuite, il faut évidemment un peu tester l'affaire. Oh, c'est bon, ça. C'est bon. Ça. Bon, ici, elle n'est pas lubrifiée. Maintenant, elle l'est. C'est bien à force de baiser n'importe qui et j'en suis arrivé à baiser n'importe quoi. Mon secret, ben, c'est que après avoir baisé Ben Ali, j'étais forcé de passer la vaginette. Et ça, c'est une sombre histoire. Fourberie et trahison sont ses amis, ce sont d'ailleurs bien les seuls. Son avenir dans la maison est encore incertain. Trahir encore ou se repentir enfin? Seul lui a la réponse. Accueillons tout de suite Franz. Hey, salut les filles, je m'appelle François. Enfin, c'est le nom que ma copine me donne. Mes autres copines préfèrent m'appeler Franz. C'est combien le score? C'est 20-20. Ah, 20, ça me rappelle le nombre de copines que j'ai trompées. I got a big pack, I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn. Alors, j'ai 22 ans, 22 comme le nombre de mecs qui m'ont frappé parce que j'avais volé leur copine. Je mesure 164 cm. 164, ça me fait penser au nombre de kilomètres de vagin que j'ai pénétré. Alors, je suis en 4ème éducation physique, 4, ça me fait penser au nombre de tests MST que je fais par semaine. Et sinon, au foot, je porte le numéro 14. Ça me fait penser au nombre de filles où je leur ai dit que je les aimais alors qu'en fait j'en avais vraiment rien à secouer. Et sinon, j'ai pas du tout de carnet de vaccin, je m'en fous un peu. Moi mon trip c'est plus les carnets MST. Comme ça je peux voir directement lesquels il me manque et je peux compléter mon album, c'est vraiment cool. Mis à part toutes ces qualités, je dois vous avouer que j'ai quand même quelques défauts. Le premier, je perds assez facilement mes potes. Qui nioule, tu vois. Et le deuxième, c'est que je suis vraiment pas un mec drôle. Qu'est-ce qu'un nain qui trompe sa femme? Un infidèle. Ah, Zayan, c'est mon idole, c'est vraiment mon modèle à suivre. D'ailleurs, sa dernière publication sur la fidélité m'a fait vraiment réfléchir. Fidélité, constance, telles sont les valeurs qui commandent ma vie. You knowin' about wearing a fur fox skin. Wow. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash. Oui, mon secret est vraiment pas facile à avouer, surtout à ma copine. En fait, j'ai subi une cure de désintox sexuelle. Pitchat, couille. Mais bon, c'est pas totalement guéri. Mais je te le jure, babette, j'ai vraiment changé. Faux. Basé comme un montant de chiottes, avec des bras comme des Vélux, il a un physique d'Apollon, mais le charisme d'une boîte de lait. Accueillons sans plus attendre, Coco. À l'UCL, le temps des études est aussi celui de la découverte, des rencontres et de l'épanouissement personnel. C'est pourquoi plus de la moitié des étudiants se sont engagés dans l'animation étudiante. Profitons d'un intervalle de cours pour observer le moment où l'animation est à son paroxysme. Non mais excusez-moi monsieur, mais l'animation c'est par là. Vous connaissez en animation? Ah oui, mais non, moi j'ai pas le temps là, j'ai une manucure dans 2 minutes. Donc, Ah bah 2 minutes, c'est parfait. Ok, mais vous savez ce que c'est vous, une manucure? Non, pas exactement. Alors,
manicure, c'est très simple, en fait. C'est une situation de bien-être, surtout de bien paraître, en fait. Et après, on met du vernis. Moi, j'adore ça, le vernis. Il y a du rose, du bleu, du rouge, du vert. Mais je préfère le rose. Et aussi je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Licornes Roses. Ah, et qu'est-ce que c'est exactement, les Licornes Roses? Ah, ben, les Licornes Roses, c'est un groupe de putes, en somme, qui sont frustrés de par leur apparence. Et du coup, ils ne peuvent pas s'empêcher de casser du sucre sur le dos des gens. Et après aussi, en fait, c'est juste pour avoir l'air de quelqu'un d'important, tu vois, parce qu'elles ne servent strictement à rien, mais bon, c'est pas grave, passons. Et ensuite aussi, elles participent à des réunions comme ça, de demi-joles, ils appellent ça, où ils font des démonstrations de sextoys organisées par l'anguillement. Parce que oui, les puputes ont un peu de mal à ramener, du coup, ils sont obligés de se rabattre sur les sextoys. Ouais, bien, mais où est-ce que vous emmenez, là, exactement? Alors là, je vous emmène au Cocody Cocoda. Oui, ça, c'est le petit nom que je lui donne parce que je trouve ça plus mimi. Mais en fait, ça s'appelle le Cocardi. Et c'est là que les filles, les copines des licornes roses se retrouvent le soir pour remplir leur sac plein de potins, etc. Mais allez-y, venez, suivez-moi, on y va. Alors, vous allez voir, il y a plein de jolis dessins avec plein de belles couleurs. Regardez, ici par exemple, on a d'abord Pita. Ensuite, on a notre préféré, c'est le bébé chat, parce qu'à la licorne rose, on aime les bébés chats. Et juste après, notre emblème, une licorne rose. Et de l'autre côté, ben, c'est les logos des enculés de Capis, là. Je les aime pas, eux. Ah, c'est charmant tout ça. Oui, n'est-ce pas? Et il paraît qu'il y a une petite fête ce soir? Ah oui, on est jeudi soir, effectivement. Et est-ce que je pourrais venir? Vous êtes étudiant? Pas que je sache, non. Alors ça risque d'être difficile. Et même avec une carrette? Non mais, allô quoi? Allô? Le mec il est pas étudiant! Il veut une calotte. Non mais allô quoi, vous me recevez? Je veux dire, c'est comme si on disait que Franz il était fidèle quoi. Non mais allô quoi? Allô? Oui, très bien, mais avec tout ça vous nous avez toujours pas dit votre secret. Ah oui, mon petit secret en fait pour avoir une peau douce et reluisante comme j'ai maintenant, c'est que tous les matins je me lève et je vais piquer de la semence dans la vaginette de Trifon et après je l'applique comme ça autour de mes lèvres et voilà quoi. C'est ici que s'achève cette émission. Merci à tous d'avoir été fidèles à Fédé Story. Comme d'habitude, vous retrouvez dans quelques instants Un bal plus que pourri, présenté par Julie Téton. C'est tout pour le moment.